T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have... Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le troisième épisode de mon Let's Play sur le jeu Stellaris saison 2. Et donc, je vous avais essayé la dernière fois, et ben on allait s'attaquer à la deuxième partie de la grosse baston de la guerre qu'on a déclarée à la Jurine République, parce qu'en fait, il y a une deuxième faction qui protège la Jurine République et qui du coup est rentrée en guerre avec nous. Cette faction, elle est juste au nord de chez nous, du coup ça serait très pratique si on pouvait la voir, et c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors donc je vous avais essayé la dernière fois, on avait refait une petite armée, la First Starfleet, qui est une grosse qui est bien bourrine. Donc on va aller on va directement aller se déplacer là-bas, on va aller bombarder des bâtiments, enfin on va aller les exploser tout simplement. Le tout c'est de faire monter cette jauge de négociation pour récupérer les planètes que l'on veut. Malheureusement effectivement taux d'acceptation est... D'accord, c'est... Je crois que c'est... En fait, il suffit de sélectionner quelque chose. Alors, on peut en sélectionner plusieurs et l'acceptation, en fait, c'est la possibilité qu'on a dans la guerre de récupérer ce qu'on voulait, en fait. Donc, je vais accélérer le temps. Je sais pas si vous avez bien compris, c'est pas très grave. Je vais accélérer un petit peu le temps, je regarde un petit peu le reste, on bombarde, c'est bien, c'est gentil. Le tout, c'est de s'occuper aussi de cela. Ah merde. On a un scientifique qui est mort. Donc on va recruter... Merde, c'est quelle catégorie? Ingénierie. On va essayer de recruter un gars qui a un bon trait en ingénierie. Ok, c'est que de la bio. Bon, on va en recruter celui-là. C'est pas si mal. On vient de remplacer, en fait, tous nos chercheurs. Hein. C'est un truc de malade. On vient juste de remplacer tous nos chercheurs. Ouais, c'est bon. Ah là. Il y a de la flotte. Il y a de la flotte. Il y a de la bonne grosse flotte qui va bien. On va voir ce que ça va donner, parce que là, pour le coup, waouh! On est où? Il y a vraiment de la grosse flotte, faudra juste se méfier. Parce que, pour le coup, il faut plutôt les attendre à ce qu'ils viennent vers nous. Et non pas le contraire, sinon on va galérer. Ok. Je vais baisser la vitesse, parce qu'en fait, sinon, on perd trop de temps en pause. Le problème, c'est que là, il y a vraiment... Ah, ils sont en train de refaire leur flotte. Hein. Alors, on va voir ce que ça va donner. Ça va être compliqué, là, cette baston, parce qu'en fait, il y a le spatioport à côté qui va être monstrueux. En termes de puissance, ça va être compliqué. T'es pas obligé de noter ça. Oh la vache, je sais pas si ça va passer. Hein. Franchement, même si on a 3 croiseurs. Ah ouais. On arrive à tirer à cette distance? What the fuck? Ah non, c'est la station minière. Ok. Ouais, ce sont les croiseurs qui peuvent tirer à cette distance. Ils vont se faire pourrir. J'aurais peut-être dû améliorer mes croiseurs avant de faire quoi que ce soit, mais bon. Ils sont en train de s'améliorer, là. Ils sont en train de créer des unités. Alors, attendez. Parce que là, pour le coup, ça va être compliqué. Ils ont des destroyers avec des boubous.
Oui, je sais qu'on a engagé des fous. Waouh. Je me demande si ça va passer, hein. Clairement, là pour le coup, j'ai un peu peur que ça. Que. On se fasse un peu défoncer le cul. À cause du spatioport, hein. Oh là là. On a perdu un croiseur. En même temps, eux, ils ont plus de bouclier. On va peut-être pouvoir faire quelque chose, là. Le problème, c'est qu'il y a vraiment le. C'est le spatioport qui me pète les couilles. Il fait vraiment très très mal. On va déjà lancer vite la construction de nouveaux croiseurs. Avec en plus un ou deux destroyers. On va en avoir besoin. Ok, on arrive à détruire ces. Ah, il me reste plus qu'un croiseur. On arrive à détruire leur flotte. Mais c'était clairement Tandax. C'était particulièrement Tandax. Ouais, c'est ça. On va avoir du mal. Ok, on se barre. Ouais, on a perdu une bataille. On a perdu une bataille. Bon. C'est qu'on n'avait pas assez de puissance, clairement. Il y avait le spatioport qui nous pétait les noix. On va continuer un petit. Je pense qu'on va split. Je split la seconde et la. Alors vous. Et vous. Vous allez aller là. Ok. Donc on va en récupérer. De toute façon, ils sont toujours en bombardement. Le tout, c'est de récupérer cette flotte-là. Il faut qu'on refasse des unités. Ah, j'ai plus des masses d'énergie en plus. Va falloir que je fasse quelque chose. Tissu de coque régénératif, ça va être super long, mais c'est pas grave. 200 mois! Alors, là, on a un léger chouchi. C'est qu'ils sont encore plus puissants que nous, hein, clairement. On a un petit sushi. Ah, on va pouvoir passer à 50, c'est bien. Peut-être qu'il faut qu'on construise un nouveau vaisseau de type croiseur. Ouais, là, il y a la place. On va pouvoir mettre des trucs de gros malades. Nouveau modèle de croiseur. Artillerie de proue, bordée de proue. Je pense qu'on va pas se faire chier. Emplacement d'armes. Hangar central, artillerie centrale, bordée centrale. Ah, ça peut être pas mal. Et derrière, batterie de poupe ou bordée de poupe. Ça peut être pas mal. Alors. Ok. Là, on va pouvoir mettre des trucs. On va pouvoir mettre des trucs intéressants. Ce qu'il nous faut déjà, c'est. À quoi ça sert ce truc? Point de coque des vaisseaux plus 5%. Ok. Déflecteur, c'est. Non, Point de vie des boucliers plus 40%. Régénération des boucliers plus 24%. On va peut-être pas commencer par ça. Je pense qu'on va plutôt commencer par ça. Donc, siphon énergétique, catapulte électromagnétique. On va mettre des trucs mastoc. Je pense que dans les slots S, on va mettre des siphons énergétiques. Donc, on va avoir besoin d'une sacrée alimentation du coup. Ok, là on est bien. On va mettre ça là-dessus parce que de toute façon on a pas trop le choix. Ça augmente les points de coque du vaisseau. Blindage nanocomposite.
je pense qu'on va coupler. On va coupler le blindage. Voilà, ça me semble pas mal, hein. C'est un peu bourrin, mais ça me semble pas mal du tout. C'est peut-être un peu cher pour rien, ça. Ouais, là, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. On a 1760 points de coque. Un bouclier de 160, c'est pas énorme, mais bon, c'est suffisant déjà. On fait du sacré dégât. On a un vêtement pas mal. Ouais, non, je pense que c'est pas mal. On va l'appeler un croiseur Crusader, ça va bien. Comme les Stardust Crusaders. Sauvegarder ceux qui connaissent Jojo. Bizarre aventure. Connaissent les bails. Alors, peut-être leur remettre un commandant aussi, ça serait bien un jour. Un jour, on le fera. Bon. Accélérer un peu le temps. Oh la vache, j'ai trop de Starfleet. C'est n'importe quoi. Alors, des croiseurs. Il faudra que j'upgrade aussi tout ça, hein, bien sûr. Hop, je vais... Non, c'est Shift. Je vais les fusionner. Alors là, on est déjà à 527. Dans l'idée, il faudrait qu'on soit à 1500 et des patates. Et il faudrait qu'on puisse, les défoncer à la mano. Donc là, on est à 34, sachant qu'on peut en mettre 52 au total. Ah oui, donc là, on va bourriner. On va bourriner la classe Crusader, je pense que ça peut être pas mal. Alors. Toi, plus toi, plus toi, plus tous ceux qui le veulent. Pardon, c'était la blague de merde. Bim, 1K pour l'instant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Insulte diplomatique. La jury de République nous insulte. Ah bah en même temps, la jury de République, j'ai envie de dire, vous servez tellement à rien. Vous pouvez rien faire, vous êtes en bombardement continu. Vous pouvez rien faire. De mon côté. Là, je vais upgrade la flotte, je peux le faire ou pas? Ouais, ça me coûte cher, mais je peux l'upgrade. On va gagner un petit peu. On va passer en... ...1127. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Research complete. Recherche terminée. Missile nucléaire. Et canon éventreur. Missile nucléaire. Moi, j'aime bien les missiles nucléaires. C'est toujours drôle. Comment faire des bonnes soirées entre amis, amener des missiles nucléaires. Peut-être mettre des nouveaux destroyers aussi, peut-être en plus. Au cas où, comme ça on aura de la petite flottille. Ça coûte combien? Ça coûte 2, sachant que là j'en aurai 4. Ah bah oui, bah un destroyer en plus. Ça ira bien. Faudra ensuite que je m'occupe clairement de mes planètes. D'accord, il y a un bonheur de moins 5%. Je suppose. À cause de la guerre. Je sais, la guerre, c'est mal. Bon, toujours pas upgradé tout ça. Oh la vache, j'en ai trop à améliorer. Bon. En espérant que ça soit vite fini. Reste deux vaisseaux. Bon, je vais laisser tourner un petit peu et je vais améliorer tout ça. Hein.
Alors, ça y est, on vient de finir la flotte, on est à 1,9, tout est amélioré, tout est à fond. J'ai envie de dire, on est parti, hein. On va aller les exploser, allez, on est parti. Et cette fois-ci, on gagne. Clairement, je ne veux pas perdre, on est presque à 2K. On est presque à 2K, donc ouais, il y a vraiment moyen qu'on puisse gagner. Quoi, qui est mort? C'est le gouverneur, ok. Bâtiment inactif, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, y a personne. Faudrait que j'augmente le bonheur ici, mais j'arrive pas à le faire. Je sais pas comment augmenter le bonheur, ce qui m'énerve. Démocratie directe, solitaire. D'accord, ils aiment pas du tout la guerre offensive. Eh oui, mais bon, ma bonne dame, des fois, il faut sortir un petit peu les doigts de cul pour pouvoir faire des trucs, hein. Oh là là, on fait pas des omelettes sans casser des œufs. J'ai vraiment plus d'énergie, hein. Va falloir que je fasse quelque chose à un moment. Il faut vite qu'on se sorte de cette guerre, hein. System survey complete. Ah merde. Ah! Attendez, je fais ça. C'est pas le moment, mais bon. Hop, je lance les reconnaissances, comme ça on est tranquille pour plus tard. Là. La First Starfleet. Oula, chou. Bon. Passer en mode vitesse normale. Là, il y a moyen que je gagne. Il y a vraiment moyen que je gagne. J'ai une très très grande puissance de feu. Oula, pardon. Ouais, il y a clairement moyen là. En face, ils auraient quoi? 1900. Ouais, bon, on doit être à puissance équivalente pour l'instant. On est à pile puissance équivalente. On va peut-être y arriver. J'ai plein de factions. Je vais faire un truc aussi, rapidement. C'est où les factions? Voilà. Hop. Change le soutien. Faut réprimer les factions pour éviter les problèmes. Ça va assez vite, ça ne coûte pas trop cher. Oui! Nous pouvons faire quelque chose là. On est clairement au-dessus, même si là il manque en fait la flotte. Voilà, là par contre on a équivalence. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai vraiment peur. Hein. Attends, mon croiseur a pris très très cher. Allez, cassez-moi tout ça, s'il vous plaît. Faut qu'on gagne. J'ai pas envie de perdre. Pour l'instant, on est en état de victoire. J'ai perdu un petit vaisseau. Oui, je sais que j'ai engagé des flottes hostiles. Oh la vache! On les a bourrinés. Allez, c'est parti! Plus que le spatioport et on a win. Il est en train de se faire zigouiller le spatioport. Bon, par contre, lui, il perd pas en dégâts. Du coup, c'est un peu chaud. Je vais refaire des unités, je pense. Oh la vache. Ça y est, j'ai plus de minéraux. Élection. On s'en fiche. Allez, spatioport, vous me le finissez là. On a fini. On a gagné, ou presque. J'ai juste perdu tout, mais je crois que j'ai perdu tous mes croiseurs. Ah mais non, j'ai perdu tous mes destroyers, pardon. Allez, on finit. Il a plus rien comme vie, il a plus rien.
C'est le GG. Et c'est le GG. Et là, on va gagner plein de pourcents. Quoi? Pourquoi on a perdu une bataille? Pourquoi on a perdu une bataille? Ok. Donc là, ça passera par exemple si on demande un truc. Alors, ce qu'on peut faire du coup maintenant, on va split celle-là. Et elle, on va l'envoyer ici. Comme ça, on va aller bombarder l'autre. Oh là, il y a trop de trucs qui se passent. J'ai mon amiral qui vient de crever. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je le remplacerai plus tard. Bon. Là, j'ai trois croiseurs. Donc cette Starfleet là, on va s'en occuper. Ah, il y a un spatioport. Et merde, il y a un spatioport. Bon. Ok. Il y a un spatioport. Oui, je suis un petit peu emmerdé du coup. Parce que ça veut dire qu'ils sont. Ils sont encore là. Ils ont encore moyen de faire des trucs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais les ramener ici. Il me faudrait encore. Putain, mais j'ai pas assez d'énergie. Si ça continue, je vais vraiment plus rien avoir. Qui est-ce qui bombarde? C'est la Ferd. Voilà. Donc là, on fusionne ces deux-là. Elle est où la FIF? Elle est là. Où est-ce qu'ils en sont? Je suis en train de voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire pour aller attaquer ce nouveau socioport. Parce que du coup, ça m'embête un peu qu'il y en ait un autre. C'est un peu la merde. Voilà, je vais faire des destroyers. Et je me rends compte que j'ai vraiment, mais vraiment pas assez d'énergie. Et c'est pas foufou tout ça. Toc, je vais te mettre là. Ici au niveau énergétique. Oh là là, faudrait que ce soit fini tout ça. Pas assez de sous-sous. Oh la vache. C'est compliqué. C'est particulièrement compliqué. Je suis vraiment dans la panade à ce niveau-là. Ça me met dans la merde, en fait, cette guerre. Elle est compliquée. J'avais pas assez de ressources derrière pour arriver à tout gérer correctement. Mais en même temps, elle était indispensable. Parce que sinon, je me faisais un petit peu exploser. Enfin, je me retrouvais bloqué. Réacteur à fusion froide, déflecteur amélioré. Ça peut être pas mal, les déflecteurs améliorés. Mais si ça continue, on va se retrouver avec la population, un seul élément de la population qui ne veut pas de cette guerre. Ce qui m'emmerderait beaucoup. Je vais ramener la First Starfleet, peut-être. Pour une réparation. Réparation plus fusion. Offre de paix, libérer la planète. Ma fille qui nickel. Alors, c'est où? C'est elle. Donc, en gros, il nous libère celle-là. Mouais. Mouais. C'est vrai que ça m'occuperait. Enfin, ça me permettrait de relâcher un petit peu la pression. On va accepter.
Donc voilà, du coup, celle-là m'appartient. Non, ça m'appartient pas. Indépendante. Putain, mais du coup, elle est indépendante. Ah! Construction complete. Ok, ils veulent pas vassaliser. Bon, on a gagné, mais en même temps, on a un peu gagné de la merde. C'est-à-dire que bah, on s'est retrouvé un peu comme des cons. Ah merde. Ah bah alors attendez. Construction complete. On va tout ramener ici. J'ai ramené toutes mes flottes, mais j'ai toutes les fusionnées. Hein. Fusionner. Allez, c'est parti. Toutes les flottes vont fusionner, on va les ramener. Ouais. Du coup, en fait, c'était pas hyper worse parce qu'on se retrouve avec deux. On se retrouve avec le consortium de Ginnigan ici qui est devenu indépendant. Incoming transmission. Ils sont quoi? Ok, Xenoval. Hein. Construction complete. Ok. On va éviter de se mettre tout le monde à dos en fait. À cause de la guerre. Bon, le bombardement terroriste, il va rester, j'ai l'impression. On a perdu pas mal de temps à s'occuper de ça. Bon, maintenant, le tout, c'est qu'on s'occupe un petit peu de tout ce qui était ressources. Parce que j'ai un peu chié dans la colle en lançant trop de saloperies de vaisseau, ça pompe énormément en énergie, c'est un truc de malade. Du coup, je me retrouve un petit peu embêté au niveau ressources énergétiques. Et je pense qu'il va falloir que j'aille ailleurs pour récupérer de nouvelles planètes. Par exemple, que je colonise ici. Tant pis s'il y a un empire là. Hein. Je colonise ici, je m'en sers de tête de pont pour le reste. Parce que là, je vais me retrouver vraiment trop étriqué au milieu de tout ça. Donc à moins de me relancer dans une guerre, ce que je pense est une très mauvaise idée, il faut que je me déploie, il faut que je me développe. Sinon je vais me retrouver bloqué. Alors, amélioration de ce bâtiment énergétique là. Famine. Ok. Je suis actuellement en termes de famine. Ok, c'est bon. Améliorer ce bâtiment. Faut que je repasse en positif en énergie. J'ai pas assez du tout. Et j'ai pas non plus énormément de ressources pour le reste. Ici, ça doit plus développer. Pourquoi? Ouais, d'accord. Pourquoi ils veulent pas se développer? Ah si, il se développe. Ok, c'est moi. C'est moi. System survey complete. Ok, bon. Ah, on s'en est plutôt pas mal sorti, j'ai envie de dire, presque. À peu près. Un peu la merde. C'était un petit peu la merde. Je virais les empires déchus, les primitifs, voilà. Ouais, la jurée de république, je vais finir par les défoncer, hein. Je vais finir par les défoncer, il m'énerve vraiment à rester là. C'est compliqué de dominer le monde, de dominer la galaxie, c'est même pas le monde, c'est là, c'est carrément dominer la galaxie, c'est complètement fou. C'est un peu compliqué. Il faut composer avec pas mal de choses. Alors, en termes de recherche, on va bientôt avoir fini les canons électriques de niveau 3. Déflecteur amélioré, ouais, je pense qu'on va essayer de se préparer à une nouvelle guerre. Et en même temps, il faut aussi que je m'occupe de mes ressources. Maintenance des stations, maintenance des bâtiments, entretien des modules. L'armée, ça me nécessite pas énormément de choses, du coup, ça va. C'est pas l'armée qui me coûte, c'est les stations. C'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important qu'on se développe. On prend cette planète ici. On a énormément de place en plus. Nouvelle recherche. Robot, station de défense.
Escadrille de chercheurs, escadrille de bombardiers. Robots, c'est une nouvelle population, ça pourrait être pas mal. On peut essayer. Je prends cette planète là. On se retrouve avec certaines du secteur, ça peut être pas mal. Je prends cette planète là, je place un avant-poste de frontière. En gros, j'arrive à me développer ici. Et là, c'est pas mal parce qu'en fait, il y a personne. Autant y aller. Autant y aller. Mais je veux d'abord régler un petit peu ce problème de crédit énergétique, encore une fois. Et j'aimerais bien que les bombardements, enfin le debuff des bombardements cesse. Parce que c'est pas cool. Ça me bloque clairement dans mes améliorations. Pourquoi je peux pas augmenter? Parce qu'il n'y a pas la capitale planétaire. Elle est où? Il est où le bâtiment de base? Complexe d'ingénierie. Administration planétaire. D'accord, j'avais oublié de l'améliorer en fait. Juste un abruti. Ici ça va aller. Bon. Eh ben j'ai envie de dire, tout ça c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais laisser gentiment... Ah voilà, ça y est, on est passé en positif. Je vais laisser gentiment le jeu tourner. Je vais regarder un petit peu les factions. Je vais essayer de réprimer, voilà. On va en réprimer une par une, de manière à éviter ce qu'il y ait des grèves, émeutes, machin. Ça, il faut vraiment que j'y pense. La faction loyaliste et la principale faction d'Empire. Les peuples loyalistes sont satisfaits du statu quo et ne cherchent pas à provoquer des changements radicaux. Ok. Vraiment se méfier, parce que les séparatistes, là, ça peut être vraiment la merde. Ouais, je pense que je vais jouer tranquillement dans mon coin, en attendant de me refaire un peu une santé en termes de ressources. Je vais essayer de m'occuper un petit peu de toutes ces planètes, m'arranger pour que on soit tranquille. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien.